Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, comme chaque année, de peindre ensemble une carte de vœux pour ces fêtes de fin d'année et avec le matériel que je vais vous présenter sur cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt. Et pour ce faire, nous allons utiliser du papier Pen On. Ce sont 8 feuilles au format A5 de différents coloris de 250 g par mètre carré. Il y a différentes textures en suivant en fait les couleurs des feuilles. Certaines sont lisses, d'autres alvéolées, donc adaptées au pastel. Vous avez différentes coloris que vous pouvez voir ici. Et j'avais fait un tuto sur lequel j'avais peint des raisins que je vous invite à aller regarder et que je vous mettrai en barre de descriptif et en lien en haut à droite de cette vidéo. Donc voilà les coloris. Pour ce faire, nous allons utiliser la couleur noire. Voilà, mais faites en fonction de ce que vous avez comme d'habitude et les couleurs que vous voulez utiliser. Je vais utiliser un crayon pastel blanc de la marque Carbotello pour faire mon esquisse. Donc je vais dessiner une petite maison que l'on trouve souvent aux Pays-Bas et dans les pays du Nord que je trouve très très jolie. Ils ont souvent des photos forts avec ces petites photos que l'on voit de plus en plus dans les foyers et à l'intérieur desquelles on met des bougies voilà, pour créer une atmosphère cosy et une atmosphère aussi de fête de Noël. Voilà, donc je dessine différentes fenêtres. Je vous mettrai d'ailleurs un article sur le site L'Art du Pastel by Esté pour lequel je vous remets l'adresse en bas de cette vidéo concernant le support, puisque vous avez dans ce papier, dans cette enveloppe, pardon, différentes textures de papier, dont certaines s'adaptent à l'aquarelle, d'autres au fusain, d'autres au pastel, voilà, et différents coloris. Donc j'ai trouvé intéressant de faire un article sur le sujet pour vous en dire un peu plus sur ce produit qui est vraiment pas cher et qu'on trouve au Géant des Beaux-Arts. Je rappelle que je ne suis pas subventionnée sur le produit. Voilà, c'est juste pour vous donner un complément d'information si vous souhaitez en savoir davantage. Si vous n'arrivez pas à faire des traits droits, faites comme moi, des petits traits par petit à coup, de manière à pouvoir de faire des lignes qui soient pas droites. Voilà, sinon vous utilisez bien entendu une règle. Donc je rehausse un petit peu l'encadrement des fenêtres pour donner aussi de la profondeur. Et je vais utiliser sur ce tuto essentiellement des pastels, des crayons pastels, puisque c'est petit. Et c'est beaucoup plus pratique. Et ici, on a de nombreux détails à mettre en couleur. Mais on peut aussi utiliser, c'est ce que je vais faire, hein, je ne vais pas utiliser que du crayon pastel. Vous pouvez aussi utiliser du pastel sec. Alors là, ce sont des crayons Comté Paris. C'est le fameux crayon rouge. Il est magnifique, ce crayon. La couleur ressort très très bien. Il s'agit du numéro 039, je crois que c'est ça le numéro, oui, 039, Comté Paris. Voilà, un joli rouge qui fait bien ressortir le toit ici. Et je vais m'amuser à faire, pareil, les contours un peu blancs. Je pense que je vais y revenir parce que la façade, pour le moment, je ne sais pas trop comment la colorer. Il faut savoir que les façades des maisons dans les pays du Nord sont très, très colorées. Alors, on peut trouver du rose, voilà, on peut trouver du bleu, du jaune. Bon,
Je vais essayer de rester sobre et rester dans des couleurs beige. Donc, je pense que je vais voir après. La porte, je reprends du coup ma couleur rouge avec mon crayon Comté Pastel. Donc, vous faites bien sûr en fonction des couleurs que vous avez. Le rouge est intéressant puisqu'on est sur une carte de Noël ou de fête de fin d'année. Il est intéressant d'apporter des couleurs qui rappellent le sapin, Noël, le Père Noël, etc. Donc, les rouges, les verts. Voilà. Donc là, pour l'instant, je colorie en blanc, mais ça va pas rester blanc. Je pense que je vais apporter du jaune puisque c'est une carte de nuit. Donc, je vais mettre une lune en haut à droite et donc je vais apporter sûrement de la lumière à l'intérieur de cette maison, donc en apportant du jaune. Voilà. Je vais utiliser d'ailleurs, je pense, le jaune, mais je vous mettrai de toute façon toutes les couleurs que j'aurai utilisées à la fin de ce tuto. Je vais utiliser un stabilo, je pense, Carbotello. Donc la couleur jaune, c'est la 1400/205 et c'est 5 étoiles. Je vous rappelle que les étoiles sur le Carbotello, ça permet aussi de savoir comment l'utiliser. Je crois que c'est une histoire de si on peut utiliser de l'eau ou pas, enfin humidité. De l'humide, je me rappelle plus trop, donc je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises. Et puis le crayon que j'avais utilisé qui est blanc mais qui tire quand même un petit peu sur du gris, c'est le Stabilo Carbotello 1400/100 et c'est un crayon pastel fin que j'ai acheté lorsque j'ai commencé à peindre au pastel, donc il y a 10 ans. Vous avez vu au début de mon tuto, il est encore grand et j'utilisais beaucoup pour faire mon dessin à l'esquisse parce que avec le pastel, lorsque vous couvrez le crayon blanc, on voit plus du tout les marques du crayon. J'ai mis du bleu en dessous du blanc pour peindre mon bonhomme de neige, de manière à pas avoir quelque chose de tout tout blanc, tout simple, avec aucune dimension sur le dessin. Il faut alterner du bleu avec du blanc pour obtenir justement un dégradé de blanc. Là, je reviens avec un pastel beige. Je crois que c'est un Carbot, non, c'est un Comté Paris, et c'est un joli, c'est une couleur un peu caramel. D'ailleurs, j'avais juxté avec deux couleurs. C'est le pastel, le crayon pastel Comté à Paris 017 et 1355. Et j'en avais utilisé un autre. Hop, je vous donne la couleur. C'est une couleur sanguine. Elle est pas mal aussi pour apporter du relief sur la façade de la maison. Elle s'appelle Sanguine 610. Pour le coup, elle n'a pas de numéro. Mais comme d'habitude, faites en fonction de ce que vous avez. J'ai aussi utilisé des pastels pit, le bleu et le vert que vous voyez sur le côté. Enfin, les deux verts, le vert clair et le vert foncé, sont des pastels. Des pastels. Castel Faber, Castel Pitt. Voilà, je vais y arriver. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je me sens quand même fatiguée. Je sais pas si c'est pareil pour vous. En fin d'année, c'est souvent une période pour moi où je me sens un peu fatiguée. Je ne sais pas si c'est le manque de lumière, le changement aussi des saisons. Ouais, j'ai du mal à trouver mes mots. Je suis en général fatiguée en cette période d'année. Je vais bien sûr après estomper pour rentrer un petit peu le pigment sur le papier, en tout cas pour le beige, de manière à ce qu'on ne voit pas le noir à travers, parce que là vous pouvez voir encore le noir. C'est sûr que si vous utilisez une autre couleur de papier, vous aurez peut-être pas ce problème. Je reviens avec toujours un crayon pastel. Gris, mais il est légèrement métallisé ce crayon et c'est encore un Faber-Castell. C'est pas un Faber-Castell Pitt, je crois que c'est un polychromo. Les polychromos, ce sont des pastels qui viennent d'Allemagne, hein, et qui sont très utilisés dans le dessin, mais ils s'adaptent pas toujours au pastel parce que il y a justement de la cire à l'intérieur et ça donne un côté brillant. Là, je les ai utilisés parce que mon support s'adapte très bien à ce type de crayon. Voilà, au même cas qui s'adapte au crayon pastel. J'utilise ici du sopalin, un petit mouchoir pour pouvoir essuyer mon couteau
Je vous la présente plus à un produit que j'avais acheté avec le kit des pannes pastel. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos et vous pouvez changer les éponges étant interchangeables. Elles se nettoient très bien, vous pouvez les laver à la main et puis vous pouvez aussi enlever le pigment qu'il y a sur l'éponge en l'essuyant sur un sopalin comme je viens de le faire il y a quelques minutes. Voilà, pour rentrer. Voilà, comme c'est fin, c'est beaucoup plus pratique pour rentrer le pigment dans le papier. Mais vous pouvez bien entendu utiliser des pinceaux à maquillage, ça fait aussi très bien l'affaire. Et il y en a d'ailleurs des très fins qui fonctionnent très bien. Je vous en avais déjà parlé. Donc on évite, hein, voilà. Là, je viens de salir mon bonhomme de neige. Donc, faut faire très attention quand on passe faites d'abord les couleurs claires et après les couleurs foncées avec ce type d'estompe de manière à pas salir vos couleurs entre elles. Pour le bonhomme de neige, c'est pas grave, je vais y revenir plus tard. Je reviens là cette fois avec un pastel sec de chez Sennelier. Donc, ça apporte de la lumière à mes crayons pastel pour faire mes fenêtres, mais je vais aussi l'utiliser pour faire la neige, notamment au-dessus de la porte, au-dessus du sapin. Voilà, là vous pouvez vraiment utiliser un vrai blanc et pas utiliser, comme je vous le conseille habituellement, une couleur avec un mélange de blanc à l'intérieur, puisque là on veut apporter de la lumière et de la neige. Donc là, je reviens avec le fameux gris, hein, qui est en fait un Faber-Castell, hein, dont je vous ai parlé, dans lequel il y a de la cire et vous voyez, ça fonctionne très bien. Polychromo. Ils se vendent à l'unité d'ailleurs, ces pastels, si ça vous intéresse. Là, il s'agit d'un pastel de la marque Jaxel. C'est la couleur chamois. Numéro 47 656. J'ai d'ailleurs un article à terminer sur le sujet que vous trouverez aussi sur le site L'Art du Pastel by ST. J'ai du retard là en ce moment sur ce que je publie et les articles que je souhaite en fait partager avec vous. En fin d'année, j'ai un planning relativement chargé et notamment au niveau de mon travail puisque je travaille en dehors de ce loisir que je partage avec vous. Mais je devrais pouvoir publier ces articles ce week-end. Voilà, donc ça devrait arriver ce week-end sur le site. Donc n'hésitez pas à les regarder. Ce sont des supports, hein, et d'informations gratuites, hein, que je partage avec vous. Donc n'hésitez pas à les regarder. Là, j'utilise un pastel Sennelier de couleur vert. Je vais apporter après de la neige dessus. Voilà, je reprends des couleurs déjà utilisées pour pas avoir trop de couleurs différentes et faire quelques rappels. Donc je reviens avec un blanc, mais ce blanc il tire un petit peu sur du bleu. C'est un bleu mélangé avec un gris en fait, un bleu gris avec beaucoup de blanc. Voilà, je reviens toujours avec un Jaxel, cette fois de couleur rouge. Mais vous faites avec les pastels que vous avez. Alors l'avantage de ces pastels, c'est qu'ils ont des couleurs très flashy, donc ça ressort bien sur une carte noire. Et en plus, je vais faire un petit agrandissement pour que vous voyez le petit bonhomme de neige et puis les différentes valeurs que j'utilise. C'est vrai que là, sur du papier noir, ça a tendance à salir. Ça, c'est un Giro, donc un pastel dur. Très intéressant pour faire les détails. Et puis j'ai utilisé du crayon Faber-Castell pour voilà les bras et ici apporter de la neige. Mais je vais y revenir après avec voilà un pastel Sennelier pour ramener de la couleur, enfin de la neige. Vous voyez un petit peu la façade, elle a une texture. Avec la combinaison du crayon et du pastel Jaxel, on peut laisser si on veut apporter cette texture-là à la façade. Si on veut une texture lisse, et bien entendu, on va estomper avec une éponge ou avec le doigt. Avec le doigt, c'est compliqué parce que vous avez plein de petits détails et de fenêtres et vous risquez de salir et de faire rentrer le pigment beige à l'intérieur des fenêtres.
Voilà, donc là vous voyez, hein, grossièrement je mets du jaune et puis après je vais estomper, hein, avec un petit pinceau pour intégrer le jaune sur toute la surface de la fenêtre. J'apporte de la neige ici sur le sommet du toit et avec parcimonie un petit peu partout, voilà, pour qu'il y ait une logique et puis ça apporte un peu... de vibration à notre peinture pour pas qu'elle soit trop trop lisse. Alors bien entendu, ce tuto est adapté aux débutants et c'est une façon aussi de peindre en miniature parce que je pense que c'est intéressant aussi pour vous de faire quelques comme ça quelques tableaux en miniature parce que ça vous apporte quand même vous avez la, ça a plein d'avantages. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. L'avantage premier, c'est que vous pouvez faire ça très rapidement. Quand on n'a pas toujours la bande passante pour faire de la peinture et qu'on souhaite faire une peinture journalière par exemple, ben, je pense que ça peut être intéressant de faire des petites cartes. En plus, là, vous pouvez les offrir puisque le mois, les fêtes de fin d'année arrivent bientôt et c'est quand même plus sympa de recevoir une carte fait main qu'une achetée en commerce. En plus, je les trouve relativement chères dans le commerce. Bon, c'est un bon entraînement. Le fait de peindre aussi en petit, ça vous oblige à vous entraîner, à rentrer dans le détail, à peindre dans le détail, à pas dépasser, à être un petit peu plus rigoureux. Voilà, c'est aussi un exercice qui n'est pas négligeable. Donc là, j'estompe, comme vous pouvez le voir avec le doigt. J'ai du mal à trouver le fond de ma façade. J'y ai pas réfléchi avant de me lancer sur cette peinture. Voilà, j'aurais peut-être dû faire un joli rose. Un joli rose, je ne sais pas. Faites en fonction de vous, de vos goûts aussi. Du bleu clair, par exemple. Voilà. Alors là, j'ai utilisé un chalk marker. Bon, je l'avais acheté moi chez Action. Vous pouvez bien entendu utiliser d'autres d'autres crayons blancs. J'ai écrit Joyeuse Fête. Vous écrivez ce que vous souhaitez. Voilà, en fait, en fonction de ce que vous avez, il y a aussi des uniballs qui sont pas mal white. Qui sont très utilisés par les peintres et les dessinateurs et les illustrateurs. Donc c'est des pigments un petit peu qui ressemblent, c'est de la peinture en fait, hein. C'est de la peinture qui est à l'intérieur et ça permet voilà de faire des écritures de couleur, enfin des écritures en blanc. Voilà, le chalk marker moi que j'ai utilisé, je le trouve pas super. Alors il écrit bien, mais le problème c'est que en séchant, il s'éclaircit et tire plus sur du gris que sur du blanc. Voilà, donc moi j'avais fait un essai, bien entendu, vous écrivez ce que vous voulez, vous faites une écriture ou pas, voilà, c'est en fonction bien entendu de ce que vous souhaitez ajouter ou pas sur la carte. Je vais après gommer autour de ma maison. Parce que le noir a l'inconvénient eh bien, de récupérer le pigment que vous avez sur le doigt et du coup de salir le contour du dessin, mais ça se gomme aisément avec une gomme mie de pin. Je vous en avais déjà parlé, pareil, je vous la mettrai en descriptif de la vidéo pour la gomme mie de pin. On la trouve à moins de 1 euro, c'est une très très bonne gomme que tous les artistes ont dans leur trousse parce que elle est pratique, elle ne salit pas. Elle n'abîme pas la feuille et puis elle permet aussi d'éclaircir un dessin ou une esquisse si on veut seulement éclaircir le trait sans l'effacer. Voilà, elle a de nombreux avantages cette gomme et elle est très utilisée par les pastellistes. J'ai fait une vidéo, je vais vous la mettre sur le côté. N'hésitez pas à cliquer et aller regarder. Voilà, donc je rapporte de la neige un petit peu partout, voilà, et puis n'hésitez pas à secouer un petit peu le dessin si vous avez du pigment qui est resté sur le papier. Voilà, donc je reprends, j'ai du mal hein, avec cette façade, elle ne me plaît pas, la couleur du moins, je ne la trouve pas assez lumineuse. Donc, bon, ce qui est intéressant, c'est que sur ce papier, on a pu apporter on a pu faire plusieurs superpositions et vous voyez bien qu'on n'a pas utilisé de vernis et ça n'a pas posé problème. Et pourtant, c'est pas un papier abrasif.
Cette vidéo arrive à sa fin. Je finis en vous communiquant les différentes couleurs de pastels, de crayons, voilà, et de matériel du coup que j'ai utilisé pour peindre cette petite carte de Noël. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite un très très bon week-end et j'espère à très bientôt, à vendredi prochain pour un autre tuto. Merci, bisous, ciao.